another one. Nadia. Ma culture m'a invité très jeune à savoir bouger du bassin. Et c'est parti. Et c'est parti. J'ai pas vraiment de niveau. Je commence vraiment sans fausse modestie, je pense. Allez, sans dire de zéro parce que j'ai déjà un petit peu dansé, mais on va dire de un quoi. J'aime danser en soirée, mais on danse souvent seul dans ces soirées. Là, ce sont des danses en couple. Zéro, je sais pas danser. Bon, moi, je suis un bon danseur de discothèque qui sait faire un peu de disco, de la funk, voilà. Je danse le Mia. Par contre, tout ce qui est attitude de vrai danseur de salon, danse de société, alors là, faut oublier quoi. J'ai fait un peu de classique, un peu de jazz, un peu de claquette, un peu de tout, je suis une touche à tout. Niveau de la mer, voire en dessous, il y a un Francis Lalanne en moi qui danse, que je ne connais pas et que je vais rencontrer. Wow. En courbature énormément, je vous fous là. Les autres sont payés donc. En courbature, mon Dieu. Je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de réponses, donc vous n'en aurez pas plus avec moi. C'est pas ce qui m'a motivée en tout cas. C'est franchement pas la première motivation. Hein. Si je fais pas ça pour l'argent, parce que sinon j'aurais fait autre chose. C'est correct. Très honnêtement, oui. Bah, écoutez, vous connaissez mon goût prononcé pour l'argent. Alors, s'il n'était pas correct, je ne serais pas là. Par rapport au casting de l'année dernière, je me dis que cette année, on a quelque part un peu tous nos chances. Pour répondre concrètement à la question, je me situe, moi, par rapport à la saison de l'année dernière, entre un M. Pokora et un Ginola. Et moi, celle dont je suis... Plus contente de voir, c'est sur des piolines. Moi, je suis en compétition avec moi-même, voilà. Et d'ailleurs, on peut pas être sur 1000 compétitions en même temps. Celle avec moi-même, c'est un gros dossier. Je voudrais m'excuser auprès des gens. Je voudrais dire un truc parce qu'on est à la télé. Que... Et franchement, je voudrais vraiment arriver à avoir le dessus sur moi-même. Enfin, je voudrais arriver à y arriver. Chez les filles, par contre, je pense qu'il y a Nadia, à mon avis, qui doit être très très bonne. Je pense que Chaim et tous nos collègues, on en parle, je pense que Chaim sera l'une des candidates en finale avec Nadia. Philippe Candelro, Sheila aussi, Nadia aussi, Valérie, je crois qu'elle danse aussi un petit peu, Valérie Beg, et peut-être moi aussi. Moi, mon repère, c'est l'inconnu. Le risque, c'est vraiment ce que je recherche dans la vie, parce que c'est dans l'inconnu et dans le danger que j'apprends à me connaître, que je me découvre.